de fuite. Tu vas me faire quoi? Je vais demander ça. Je vais demander d'abord le drapeau. Tu suis de rose. Ok, d'accord. La salle am vuya brina de dibingwa na wonga wa blasem kote foka na wa vivre boni boni ah oh ça le flatte le papa le tiene que na vila pa. Tu es en cabotage. C'est de l'or. Le maïs ici, c'est de l'or. Me verrez. Oh, faites vite, on va partir. C'est ça, on va partir. On va venir au village. Faites vite. Comment tu veux aider moi, Manila? Mansou Barouna. Allez prendre ça. Tout Foyaga, allez là. Tout Foyaga. Allez, tout le monde là-bas. J'irai vous laisser au village. Va bene, allora vieni a sapere.
bandage bien. Je suis de bien amour. Piqué déjà, même celui-là aussi. Ah, d'accord. Mais comment il... Hein? Nyamazaka, nyama. Il y a combien de candidats, beaucoup de tête en allée. Là où tu fais des rues, mais pousser les autres côté de Non, bon, dis pas, faut pas sortir quand tu n'as pas d'engrenage. Bon, tu es loco, hein? Voilà. Oh, bonjour.
Oh, mais avance un peu, pas ici. Avance un peu, là c'est déjà. Ah, le coma casse, c'est avancé. Avancé, Nani. Nangona. Mais il est dur. J'ai ma famille dans tout le jour comme un tracteur. Et vous commencez à couper notre cadran. Ça nous a mis en difficulté. Donc votre garage c'est le port de Keti? Non. Parce que nous sommes, passés ici, ouais. Je suis venu faire visiter les gens du port de Keti ici. On a vu une délégation, mais c'était fermé. Oui, nous on a vu qu'il faut couler de la pluie. Ah. Juste pour couler de la pluie. Donc ça c'est la récolteuse, la tubercule. Tu peux même récolter les arachides avec, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter là. Il y a une dispositif qu'il faut ajouter. Les engrais en poudre, là, en poussière, en granulé. Hein? Oui, oui, c'est ça. Granulé, machin. Les granulés. Si c'est en liquide, il y a une autre machine. Ça, non, ça c'est... Il faut utiliser un pulvérisateur. Voilà, pulvérisateur, il passe là au granulé. Et tout ça, c'est pour... Oui. Tout ça, c'est pour le monsieur. Oui, oui. La base est là-bas en haut, à Bogui, le village Bogui. Pas ici, mais le village Bogui, là-bas même les comme champs ça, c'est là-bas. Bien, comme ça. En allant à Okoyo. En allant vers Okoyo, mmh. À Bogui. Mmh. Ah. Le village Bogui. Le gars-là, c'est la moissonneuse batteuse. Et il travaille déjà? Non, on a fait une petite réparation là, c'est comme si on faisait d'Europe. Toi, tu es mon frère, tu es mon ami. Le quartier et tout, et la famille, dis-moi que ça, c'est l'occasion, ça. Oui, comme là-bas. La moissonneuse de l'occasion. La moissonneuse de l'occasion. Ça, c'est le riz, là-bas, la bec de maïs, hein, devant là-bas. J'ai un problème, là, j'ai mon axe, mon cardan qui s'est cassé là. De moi 440. C'est un tige. Un tige. Ouais. J'ai ça là, dans la voiture là. Mais dans tout là, il y a un gars qui en fabrique à bras. Hein. Mais vers Bakongo. Il y a un problème de machine. Vers 5 chemins. Tu connais bien? Oui, 5 chemins. C'est un RDC, mais il est en règle, il est là. Ah, il a les bonnes machines. Kratos, tu dois même le connaître. Avant il était en face de la ZAD. Là on a construit l'hôtel. Comment il s'appelle là? Il y a des trucs de Coca-Cola là. Après il y a un hôtel là. C'est là où était la télé, je crois. Lui c'est dur, non? Il a un truc dur.
Et puis un truc rouge, chinois. C'est le truc rouge là que je parle. Chinois, ça c'est Ito. Ito c'est vieux. Ito. Ito est chinois. J'avais un matériel impressionnant. Hein. Ça encore, il y en a encore au champ là-haut. 13, j'ai été instruit. J'ai égrené depuis le 13. Je vous ai appelé. Vous devez venir. Venez. Déjà, en deux semaines, un produit égrené. Si vous ne le prenez pas, il perd sa qualité. Et quand il perd la qualité, c'est moi, le producteur, je suis perdant. Qu'est-ce que je fais automatiquement? S'il y a un preneur qui est là, je libère le produit. Non, mais tu pouvais fournir. Mais oui, mais je peux tu fournir. Il fallait seulement me dire que... Non, je n'ai pas dit ça. Vous ne m'avez pas compris. Je viens, je prends et je paye à crédit. Je sais comment retrouver chez vous. C'est plus facile. Mais si vous ne prenez pas le produit, voilà le langage. On te ramène les sous. Voilà. Tu dois seulement donner. Non, prochainement, c'est dit. On doit toujours payer. C'est vous qui me dites, bon, emmenez-moi le produit. Je viens à Bondu prendre mon produit. C'est votre produit. Quand il y avait déjà accord, c'était fini. Avant de dégrainer, tu nous dis, bon, tel jour, il faut venir récupérer le produit. Donc voilà. Tout ça là, c'était, hein, vous voyez l'amoncellement des épis. Oui. Donc c'était votre produit. Donc pour dire au ministre Ibovu que réellement ici nous produisons. Vous avez vu l'étendue, vous avez vu ça, le site. C'est un non-comment, nous avons une seule machine. Un seul tracteur. On n'en a pas deux, on a un seul. Donc c'est avec ce tracteur que nous sommes. On n'a pas encore les possibilités d'acheter un deuxième. Pour travailler avec nous, il te faut beaucoup de maïs. Mais oui, moi je veux. Non, moi je veux bien. Non. Moi je veux bien. Non, moi je veux bien. Moi à partir de janvier. Il faut programmer. Mon frère, à partir de janvier, si vous êtes un partenaire sûr, un contrat sûr avec moi, non, je parle bien. À partir de janvier, je fais un programme avec vous. Tous les trois mois, je suis capable de vous produire. Les mamans qui sont au Lombo là-bas, c'est eux qui manquent le maïs. Lesquelles mamans de Lombo? C'est qui m'a les dames de Ibarandeli. Mais c'est eux qui m'ont appelé, non? Oui. Ils sont venus jusqu'ici. Mais c'est ça. Oui. Madame Ibarandeli, non? Oui, le député. Je suis en train de dire qu'ils n'arrivent pas aussi à nous fournir. Non, et c'est quoi? Avec le rythme là, vous n'arrivez pas aussi à nous fournir. Parce que vous en avez beaucoup. Parce que nous, le besoin est toujours là. Les 100 sacs là ne pourront pas faire 2 mois chez nous. Qui est là? Il y a beaucoup de villages Ngana, à Bolo. On est dans le besoin. Non, on est tous dans le besoin. Le maïs qui quitte loin au Wando, après au Wando, on peut toujours travailler avec ces gens-là. Parce que nous, même si on travaille seulement avec toi, pour nous supporter, c'est difficile. Mmh. Non, mais lui, lui, il est capable de faire la fédération. Je peux faire la fédération. Hein. La fédération des producteurs. Pourquoi? Parce que si je dis, vous voulez prendre chez moi, si vous avez besoin de 1000 tonnes, je ne serai pas capable de vous donner 1000 tonnes aujourd'hui. Mais je peux vous dire que bon. Et que lui ne prenne pas tous. Bon. Si je fais 1000, vous ne prenez pas. Je vous prends un exemple. Il y a quelqu'un ici qui m'a fait produire ce que je viens de vous montrer là. Mais qui n'est pas passé prendre. Mais c'est parce que. Vous voyez déjà? On n'était pas dans. Donc, vous voyez, donc c'est. Tes trucs là ne pouvaient pas traîner parce que. Voilà pourquoi c'est lourd. Montrez. Ma poule, c'est le maïs avarié, monsieur Linga. C'est le maïs avarié. Ce qui vient de Kine, ça a bloqué pendant un peu d'années. Parce que quoi, le maïs est toujours vidé de sa substance. Pourquoi on dit que ce qui est frais pèse, coûte plus cher? C'est par la qualité. Et pèse bien. Ça, c'est vrai. Monsieur Linga, bon, voilà. Voilà déjà comment souple, vous voyez comment ça donne par rapport à. C'est un sac à moitié, je peux dire. Hein? C'est un sac à moitié, non? Ça, c'est le sac que nous avons mis pour aller semer. C'est pas pour vendre. Ça, c'est la semence. Hein? Nous avons mis ici pour aller vendre, pour aller semer. Pour que facilement, ils peuvent soulever mètre. Voilà, il pèse déjà combien? 48 kilos. Il manque 2 kilos pour faire 50. Vous voyez déjà? Mais vous voyez comment il est rasé. Mais quand on fait le double de ça, ça fait combien, monsieur Lena? Ça fait 100 kilos. Donc, le maïs est frais. Vous êtes habitué à acheter le maïs à avarier. C'est ce qui est. Voilà pourquoi vos élevages souffrent. Parce que vous n'achetez pas du frais. Maintenant, on vous propose du frais, vous voulez faire un débat. Ce n'est pas un débat. Ah ben c'est ça. Chacun de nous hein, défend sa thématique. C'est ça le problème, mon frère. Donc voilà. Allez, rendez compte au ministre. Voilà, nous sommes volontiers. On est contents que vous venez nous visiter, qu'on travaille ensemble, la main dans la main, pour honorer notre département. D'abord, et honorer notre pays. C'est d'abord ça. Parce qu'ailleurs, on pensait que ça provient toujours de l'extérieur. Hein? Les gros sacs là, que vous avez, les gros là. Oui. Les 100 kilos. Oui, Bondo Vert, non?
C'est trop. 115, 120. Bon, voilà. Donc, est-ce deux fois Bondo vert, ça peut faire. Ça, là, on peut t'appeler escroc. Bon. On peut t'appeler escroc parce que le maïs pèse. Donc, ça là, si le chef il vient, il regarde les devis là, si on pèse pas, il va dire, mais ça c'est un escroc. Non, j'ai eu le même débat comme ça avec un client, un fournisseur, un client. Mais dans le vie, il n'y a pas l'eau. Je vous rectifie, le maïs est frais. Il est sec sur pied. Parce que s'il a l'eau, il ne peut pas passer sur les graineuses. Il sera farineux. C'est comme ce qui est. Il est frais. C'est comme une yama fraîche. Et ça, la potopoto, vous n'allez pas avoir les grains. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le maïs, il est frais. Vous êtes habitué à acheter le maïs avarié, de troisième qualité. Voilà pourquoi vous pensez que le volume, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas non plus la quantité. Le volume, c'est vrai, c'est pas la qualité. Et le pire, il y a maïs, il y a un bon à l'étranger, c'est quoi? Ça, c'est le PCT qui a gagné. On quoi, c'est tout pour ça. Ça, 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 ça